Tu veux que l'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Ouais. Qu'on renonce au monde pour lui? Que l'on n'ait plus Dieu pour personne? Vous tournez les choses d'une façon qu'il semble que vous ayez raison, et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde et vos discours m'ont brouillé tout cela. Qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, à assurer que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible. Qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre. Ils ont des chemises qui ont des manches, où je rentrerions tout brandi, toi et moi, dedans. Quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Non, c'est profaner tant de beauté et... Et vous n'êtes pas né pour demeurer à Diebendorf. Une lame assez méchante pour abuser une personne comme vous. Je serais assez lâche pour vous déshonorer. Non, Charlotte. Je vous aime. Parce que vous êtes monsieur, vous viendrez caresser nos femmes à notre barbe. Allez vous caresser les vôtres. Et pas là la récompense de vous avoir sauvé d'Estradaillé. Piaro, ne te fâche point. Je me veux me fâcher. Et t'es une vilaine, toi, d'endurer contre cajole. Une affaire pressante m'oblige à partir d'ici. Mais comme la partie n'est pas égale, il faut user d'un stratagème et éluder adroitement le malheur qui me cherche. Je voudrais que, Sganarelle, tu te revêtes de mes habits. Et...